trois anneaux pour $1. À vous. Désolé, jeune homme. C'est terminé. Voilà. Et on chante la prochaine fois. Parce que j'ai pas lancé. Au revoir. Rien. Ouais. Du bien de se lever tard. C'est clair. On aurait pensé à faire un peu de ménage tantôt, hein? Histoire d'enlever le goût au coquillage de venir vivre ici. Bonne idée, parce que moi, j'ai pas trop le goût de partager ma chambre. Mm. Hey, mais t'avais pas une répétition cet après-midi? Ah, ouais, c'est vrai, j'ai complètement oublié ça, moi. Bon. Pas du ménage une autre fois. Maison des coquerelles, bonjour. Des coquerelles? T'es en feu aujourd'hui? Salut, Clarisse. Salut, ça va? Ça va super bien, vous autres? Super. Écoutez, je me demandais ce que vous faisiez ce soir. Rien de spécial. J'ai une répétition cet après-midi, puis après je reviens ici. Pourquoi? Mais ça tombe bien, je vais venir souper. Ici? Ça tente pas d'aller au resto à la place? Non, je suis un peu tannée du resto. Il me semble qu'on serait bien dans ton terrier. Ben, viens souper. Ça va être fun. Oh, super. J'ai hâte de voir. Ouais, super. À plus tard. OK, à plus. C'est quoi le problème, hein? As-tu vu la maison? On peut pas l'inviter dans un bordel de même? Ben là, Clarisse a déjà vu l'appart à l'envers. Non, je suis sérieux, Théo. C'est ta blonde, là, pas la reine d'Angleterre. Oui, c'est vrai, ça. C'est ma blonde. Je suis supposé faire un effort de plus. Je peux pas l'inviter comme avant puis commander du resto. Pourquoi pas? Parce qu'elle vient de le dire, elle est tannée du resto. Oui, mais peut-être qu'elle est pas tannée de la bouffe du resto. D'après moi, elle veut juste aller manger chez quelqu'un de tranquille, là, sans devoir signer son autographe en chaque bouchée. Ouais. T'as peut-être raison. J'aurais quand même aimé ça faire quelque chose d'un petit peu plus spécial, là. C'est quand même la première fois qu'on mange ensemble tous les trois depuis que c'est ma blonde. Tout le monde dit que c'est spécial chez nous. Tu t'en fais pour rien. Manger de la pizza de chez Tony Express après avoir rangé notre linge sale en dessous du sofa, là. C'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Ouais, t'as peut-être raison. Faut que je parte en plus. Pas bien le choix. Va nous prendre comme on est, hein. Mais là, on fait rien de spécial, là, même pas un petit peu. Ben, j'aimerais bien ça, Théo. Mais je peux rien faire de plus. J'ai pas encore le pouvoir de me séparer en deux. Mais ça s'en vient, hein. Oh. S'il te plaît. Ça n'a pas d'allure, ça, empiffré comme ça. Mais non. Je fais le plein de glucides. Comme ça, il faut tenir le coup pendant la course. Ça doit pas juste être ça le secret, parce que moi, j'ai toujours mangé des pâtes, puis j'ai jamais gagné de course. Non. C'est parce qu'il faut être fort, faut être rapide, puis il faut vouloir gagner. Ouais, ben, je devrais peut-être en manger moi aussi. Je veux réussir à finir mes pots de miel. Mais pourquoi t'es pas tout nu, tes pots? Hein, il me semble que ça ferait moins bébelle. Ouais, le monde aime ça, les bébelles. Non, les pots se vendent vraiment mieux quand ils sont décorés. Puis aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée d'en vendre. Je veux pas la rater. Hein. Oui, allô? Ah, Théo! Ben aujourd'hui, c'est parce que c'est la fête des pissenlits. T'as vraiment besoin d'aide? Oh, ben, oui, oui. Non, mais je vais y aller, Théo. Non, ça me fait plaisir. À tantôt. Bye. Ah ouais? T'es rendu chum avec Théo? Non, mais il a vraiment besoin de moi. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Mais si tu veux me demander quelque chose, je peux pas. Faut que je m'entraîne si je veux gagner mon vélo. Oui, je sais, tu l'as tellement dit souvent, là. Mais moi, je pense que t'es prêt pour ta compétition. Puis j'ai besoin de ton aide. Mais pourquoi faire? Non, demande à Rose. Je peux pas, je lui ai déjà demandé de s'occuper de ma table d'exposition pendant que je finis les pots. Comment?
J'aime pas ça, faire du bricolage. Je suis pas bon, je le sais. Bon, OK, bon, on oublie ça. Bon, ben, je vais chercher les torchons, je te les donne, puis tu vas faire le ménage chez Théo à ma place. C'est pas question. OK, moi, aller faire tes pots. Ah, t'es fin, mon petit lapin. Appelle-moi pas comme ça. Mais là, faut que j'en fasse combien, moi, des pots? Ben, écoute, la fête se termine aujourd'hui, puis je voudrais tous les vendre. Ben, il en reste 33. Ah, 33? Pas si pire, hein? 33? J'en fais la moitié. 33. C'est vraiment gentil d'avoir dit oui. Wow, wow! Il y a eu une tornade à Valmont, puis j'étais pas au courant. Non, non, c'était juste la soirée et je reporte à demain ce que je peux faire aujourd'hui. C'est mon père qui a inventé ça. On le fait de temps en temps. Vous êtes arrivé à faire ça juste en une soirée. On n'est pas pire, hein? T'as bien fait de m'appeler Théo. Je peux pas se voir Clarisse dans un bordel comme ça. Surtout que c'est la première fois qu'on l'invite depuis que c'est la blonde de mon père. Hmm. Toi, Théo, tu comptes que ton père se soit fait une nouvelle blonde? Ben, il a l'air heureux. C'est ça qui compte. Puis elle est cool. J'espère qu'elle va aimer ça manger avec nous autres. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait manger. As-tu une idée? Ben, tu permets que je regarde ce que vous avez? Ouais. Fait qu'il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner un petit quelque chose de bon. Ouais, mais je pensais commander, là. T'es pas obligé d'en faire autant. Non, mais ça fait plaisir, Théo. Si tu la trouves fine, Clarisse, c'est une raison de plus pour bien la recevoir. Mmh. Elle est super fine. C'est là depuis combien de temps, ça? On était supposé le manger hier pour souper, mais comme je te dis, c'était notre soirée. Je reporte à demain ce que je peux faire aujourd'hui. On a fait venir de la pizza. Ah, mais là, on est mieux de faire cuire aujourd'hui ce qu'on veut pouvoir pourrir demain. Voyons voir. Ah, ben, des carottes. Des oignons. Des oignons. Ah, ben tiens, des oignons. Un fond de bouteille de vin rouge. Ça, le vin, il est là depuis une couple de semaines. Je pense pas qu'il soit super bon. Ça va être parfait pour faire la sauce. Avez-vous des champignons? Non. On aille ça tous les deux. Il n'y a aucun champignon qui peut mettre les pieds ici. Bon, ben, mon Théo, on a tout ce qu'il faut pour faire un bœuf bourguignon sans champignons. C'est pas un peu compliqué, ça? Non, sans champignons, c'est un jeu d'enfant. Tu laisses mijoter ça tout l'après-midi. Quand Clarisse va arriver, ça va sentir tellement bon, là, c'est sûr qu'elle va être impressionnée. Allez, cuistot, au boulot! Sors-moi une assiette. Mais c'est que j'ai jamais fait ça, moi, bourguignon. Fais-toi-en pas. Je vais te dire quoi faire pendant que je m'occupe du ménage. C'est mieux comme ça parce que je peux pas rester longtemps. Ça te va? Oui. Oh, mais tu vas voir, ça va bien aller. Puis après, peut-être que tu pourrais gonfler des ballons, puis décorer un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Des ballons? Pourquoi faire? Ben, en entrant, là, Clarisse se sentirait fêtée. Je pense que le ménage puis le bourguignon, ça va être correct. Ouais? Ouais. Pourquoi tu colles pas, toi? Pourquoi tu colles pas, toi? Je t'ai, toi, là. Oh! Avec tes typos? Cherche-moi pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, tes typos? T'es pas supposé être au kiosque? Ouais, mais David me remplace pour quelques minutes. Ça va oublier mon lunch. Prends-le puis va-t'en. Tu devrais pas t'entraîner pour la course? Ouais, Suzanne m'a pas vraiment laissé le choix. Elle est partie faire du ménage chez Théo. Je fais ça pour l'aider. Pour l'aider? Je suis pas sûre que tu l'aides, hein? Il est super laid. J'aimerais ça de voir les faire, moi. Pas très difficile d'être meilleur que toi en or. Juste avoir le bricolage en macaroni que Suzanne met dans le sapin de Noël, c'est dur à faire. C'est un berger, puis j'avais 7 ans quand je l'ai fait, OK? Un berger? Mais j'étais sûre que c'était un chameau. C'est quoi les deux bosses qu'il y a dans le dos? Hey, fallait donc, c'était si bonne que ça, toi. Ah, je peux pas. Faut que je retourne au kiosque. Qu'est-ce que tu fais? On va m'entraîner. Mais tu peux pas. T'as promis à Suzanne que tu l'aiderais. Mais c'est rendu ton problème, OK? Pis si t'es pas d'accord, là, ben parle-en un petit peu. Peut-être qu'un jour, ils vont pouvoir t'écouter. Mais David, on me tue si je retourne pas au kiosque. Mais c'est pas mon problème.
Et lui, là. Ah! Ah, pour le bourguignon, Théo, faut que tu le brasses assez souvent. Oui. Puis, si la sauce devient trop épaisse, t'as juste à ajouter un petit peu d'eau. Mais pas trop, là. Oui, compris. Puis, t'oublies pas de bien fermer le couvercle après. Oui, oui. Ah, j'ai remarqué, vous avez plus de papier de toilette. Faudrait que t'ailles en acheter. Je vais aller à l'épicerie tantôt. Ah ben, tant qu'à faire, achète donc des feuilles de laurier. Ça coûte pas cher. Puis t'en ajoutes deux, trois dans ton bourguignon, là, ça va être encore meilleur. Papier de toilette, feuilles de laurier. C'est noté. Ah, bon ben... Je peux pas t'aider plus que ça, mon Théo. Je suis désolée, il faut que je m'en aille. T'en as déjà fait beaucoup, Suzanne. Merci, c'est très gentil. Mm. C'est vrai que ça sent bon. Mm. Bonne chance, Théo. Merci. Allô? Théo, qu'est-ce que tu fais? Je viens de cuisiner un bourguignon, puis là, je me prépare un sandwich tomate bacon 3 étages extra mayonnaise. Je vais décorer des pots de miel. Zan en a besoin au plus vite. Je suis comme toute seule pour en faire plein. Je capote. Je peux vraiment pas, là. La blonde de mon père vient souper. Puis j'ai plein de choses à préparer, puis des commissions à faire. J'ai vraiment besoin que tu m'en... Rose? Rose? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah non, le pôle marche plus! Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a plus d'électricité? Voyons, c'est bien poche, ça! Mon bourguignon! Hey, oh, wow! T'as vu le vélo? Débile, hein? Vraiment. Ah, hey, faut pas croire que ça va être à moi tantôt, ça. Pas mal confiant, le gars? Eh oui. Oh, t'es très chanceux avec les tirages, moi. Vraiment. Ce qui est cool, c'est que c'est pas le genre d'affaire que Suzanne peut m'acheter. Ça vaut 2 500. Il y a pas beaucoup de parents qui achèteraient ça à leurs enfants, là. J'imagine. Ouais. Et c'est quoi mon numéro pour la course? Ah, oh, Samuel. T'es pas inscrit? C'est une blague, le regarde comme faute. Je te niaise, c'était numéro 13. Ah. Oui, 13. Ah ouais? 13, t'es sûr? Pas de doute, t'sais. On peut-tu changer de numéro? Non, impossible. Parce que je suis numéro 13, fait. Oh ben, Samuel Langevin est superstitieux, je savais pas ça. Pas en tout. C'est qui les autres participants? Tu verras. Ah, Samuel? Qu'est-ce que tu fais là? Mes peaux? Ah, non, c'est Rose, elle a dit qu'elle est faite pour que je puisse m'entraîner. C'est très gentil de sa part, mais ma table, qui s'en occupe? David. Puis moi, je remplace David pour les dossards. Ah! Oh. Oh, je trouve ça bien que vous vous entraidiez comme ça. Merci, Camille. De rien. Avez-vous vu Marie-Sylvaine? Ah, oh, elle est dans son bureau. Ah, OK. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Marie? Mais niaise-moi pas, là. David m'a dit qu'il devait remplacer Rose 15 minutes pour qu'elle aille chercher son lunch et quelque chose qui marche pas, là. Mais ils ont dû s'entendre ensemble. David m'a pas averti, mais si tu le dis. Eh oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu disais à David que tu revenais dans 15 minutes. C'est Sam. Il a décidé de tout lâcher pour aller s'entraîner. Pas trop eu le choix. Suzanne en a besoin, tu sais pas. Puis la vraie histoire, c'est quoi? OK. J'en ai un peu écœuré. Son pot était tellement laid. C'est comment il est? Tellement susceptible, il est parti super frustré. Là, est-ce que c'est David qui t'envoie ou c'est toi qui l'as empêché de venir me ligoter pour me torturer? Ah non, fais-toi-en pas, là, Suzanne a pris sa place. T'en as combien de pas à faire? J'en avais 33, il en reste 24. Bon, ben ça avance bien. Et ça va aller encore plus vite à deux. Oh, merci, merci, Camille. Entrez! Allô? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une panne d'électricité. Ouf. Je sais pas quoi faire, là. J'ai pas été capable de rejoindre mon père, le concierge est pas là, mes voisins non plus. Comment évacuer mon bourguignon? Du bœuf bourguignon. Non, c'est pas du bœuf, là, c'est un bourguignon. Non, mais franchement, Théo, je pense que c'est mieux comme ça. Pourquoi tu dis ça? C'est pas tellement bon, du bourguignon. C'est délicieux! Des morceaux de viande qui flottent dans le jus. Yark. Tu trouves pas que ça ressemble à du manger mouchier? Un peu, là, mais ça goûte vraiment pas la même affaire.
Ouais, mais là, qu'est-ce que je fais? Clarisse vient souper. Mais pourquoi vous commandez pas? Ouais. Mais non, c'est un souper spécial, puis chez nous, commander, c'est pas spécial pantoute. Mais Rose, fais quelque chose, là, aide-moi. Peut-être que si tu m'aides, je pourrais trouver une solution. Bon. Ouais, mais je t'avertis, j'ai jamais été bon dans les bricolages, hein. Tu devrais voir ce que j'ai fait en deuxième année pour vous mettre dans le sapin de Noël. Pas un berger. Ben ouais. Comment t'as fait pour savoir ça? Samuel, viens ici. Viens, viens. Faut attends, que je te parle. Je parlais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Rose? David était vraiment pas content. Elle lui a jamais dit qu'il fallait qu'elle reste à la maison faire des pots. Mais elle a dû oublier de l'avertir. Ouais, ben, une chance que Camille était là puis que je suis revenue vite. OK. Ben non, 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 sauve-toi pas, papillon. Il faut que tu me remplaces. Juste le temps que j'aille à la maison chercher d'autres pots, j'ai presque tout vendu. Non, maman, je peux pas. Faut que je me pratique. J'ai pas envie de me planter pendant la course. Bon, ben... ben... pourquoi tu y vas pas aller chercher, toi, à vélo? Ça va te faire pratiquer. Non, maman, la compétition est bientôt. Mais pis ça, ça t'empêche pas de rendre service? Mais pourquoi c'est encore à moi d'aider, hein? Ah, pourquoi tu nommes pas Rose? C'est jamais son tour, elle. Mais presque. Ah. Est-ce que j'ai envie les bras d'un mètre plus long? Oh, wow! Oh, Ils sont super beaux, Rose! T'as réussi à donner un coup de main? Ah, ça, c'est... ben, c'est différent. C'est Théo qui l'a fait, celle-là. Avec tout ce qu'il avait à faire aujourd'hui, il a trouvé le tour de venir t'aider. Les tiens, où ils sont, Samuel? Je les ai recommencés. C'était pas très réussi. Voyons, Rose, ça devait pas être si pire que ça, là. Bon, peux-tu là, aller m'entraîner? Là? Oui, oui, mon homme, vas-y. Bon, moi, faut que j'aille donner un coup de main à Théo. Il a pas encore fini? Disons qu'il y a eu un petit pépin. Rien de grave? Panne d'électricité. Hein? Je t'ai rencontré. C'est vraiment trippant. Mais, hein? Clarisse, vous vous trouvez cool? Hey, un pique-nique. T'es génial, Rose. Attends! Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un souper pique-nique pour Clarisse. Vous allez faire du camping ce soir. Hein? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'avais pas même un choix. Le bourguignon me fait pas cuire, il n'y a plus d'électricité. Le bourguignon. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Il se passe que Théo a eu une idée géniale pour votre souper avec Clarisse ce soir. Bon, faut que je parte. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci pour tout, Rose. Y'a rien là. C'est bien propre. C'est toi qui as fait tout le ménage. Suzanne est venue m'aider. Puis elle m'a même montré comment faire cuire le bourguignon. Attends. T'as appelé Suzanne pour qu'elle vienne travailler sans m'en parler? Ben oui. Encore chanceux que t'aies pas décidé de faire rénover la cuisine? T'étais trop occupé, puis il fallait bien faire quelque chose de spécial pour que Clarisse se sente bien accueillie. T'es pas content? Ouais, oui, mais Suzanne, quand même, as-tu payé au moins? Ben non. Tu veux pas que je fouille dans le tiroir où tu mets ton argent? T'aurais mieux que je fouille. Non, c'est correct. Calme-toi, hein? On a juste assez de temps pour aller la payer avant que Clarisse arrive. Elle est en fête des pissenlits, avant des pots de miel. On prend en acheter un, hein, elle m'a vraiment beaucoup aidé. On y va avant qu'il reste plus de ces pots de miel-là. Hey, penses-tu que Clarisse va aimer la tante? Ah, oh, ben, ça n'aime pas l'idée. Faut dire que c'est la tienne. On est chanceux d'être encore là. Ah, mais pas si chanceux que ça, il reste juste le mien. Oh, non, Théo. Ça donne comme ça, c'est pas parce qu'il était pas beau, là. Non, t'es pas obligé de me raconter des histoires, là. C'est pas pour rien que j'ai laissé Rose puis Camille faire le reste. Je suis venu sauver l'honneur de la famille. C'est combien? Ben non, je vous le donne, pis ça me fait plaisir. Il n'y en a pas question, puis je veux pas de monnaie. Hein? Ben non, mais Jeff, ça a pas de bon sens, c'est ben trop, voyons. T'es venu m'aider, as-tu oublié? Oh, ben merci, ça m'a fait plaisir d'y aller. Puis je vous souhaite une très belle soirée avec Clarisse, à la Belle Étoile. La Belle Étoile. Ben oui, ça peut être très romantique aussi. Pas d'électricité. Ah, non, mais l'électricité est revenue. Ben, vous êtes pas obligé d'ouvrir les lumières. Hein? Puis en plus, là, si vous ajoutez des petits ballons, elle va avoir l'impression... Je pense qu'on devrait y aller, nous autres, hein. Ah, Clarisse va nous attendre. Ouais. Oh. Arriver après ses invités, ça commence un peu mal, une soirée romantique. Non, mais ça, elle trouve ça romantique, là, je dirais que l'idée devient toi. Quoi? Tu veux pas que tout le monde sache que t'es romantique? Romantique! Ah oui.
J'en reviens pas. Une tente. Ben, je voulais que ça soit spécial. En tout cas, vous avez vraiment réussi à me surprendre. C'est le fun parce que d'habitude, c'est toujours moi qui organise les surprises. T'as eu une fichue de bonne idée, mon ami. Où tu vas? Ah, oh, je m'en vais. Non, non. Je m'en vais à la salle de bain. Ah, mais si on est en camping, ça veut-tu dire qu'il faut que j'aille faire pipi entre deux arbres dehors? T'es pas obligé d'aller dehors, là. Il doit bien avoir d'autres plantes par là. Je suis vraiment content de ce que t'as organisé. C'est vraiment hot. C'est cool, hein? Merci, mon âme. Crève de faim. Qu'est-ce qu'il vous, Samuel? Ça fait longtemps que la course doit être terminée. Je sais bien pas. Hey, c'est peut-être bon signe. S'il a gagné, il faut qu'il revienne à pied avec ses deux vélos. Hé! Hey! Je suis tombé. Michael est pas venu, puis j'ai pas gagné le tirage. Vraiment poche. Oh, faut que tu l'attendes. C'était peut-être trop entraîné. Il paraît qu'avant une compétition, c'est toujours mieux de se détendre en pensant à autre chose. Comme le bricolage, par exemple. Savais-tu qu'avant une compétition, c'est toujours mieux de pas se faire niaiser? De qui tu parles, là? De moi ou tes petits pots? De toi, Rose Boucher. Puis t'es bien correct, mes petits pots, OK? Une chance qu'il parlait pas parce qu'il m'aurait supplié de venir les sauver tellement tu les massacrais. Une chance qu'il pouvait pas entendre parce qu'il serait sauvé tellement que t'as dit des bêtises. Elle voulait donc qu'il était là, tes pots? Elle voulait donc des bêtes, des fois. Vraiment dommage qu'ils parlent pas, ces petits pots-là. Parce que je leur demanderais ce qui s'est passé. Non, pas la peine, là, c'est réglé maintenant. Ouais, on a tout dit. Ben, presque. C'est vraiment poche que tu sois tombé, parce que ça aurait été le fun que tu le gagnes le vélo. Merci. Bon. J'aime bien mieux vous voir vous réconcilier. Puis moi, ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je pense que vous allez être content. J'ai gagné le prix des exposants aujourd'hui. Hein? Ah, ouais. Bravo. Oui, bravo. Merci. Mais c'est pas trop notre genre d'aller dans une soirée bingo. Ou dans un atelier d'artisanat donné par Jocelyne. Là, vous êtes complètement dans le champ. À vélo? Non, non, c'est pas aussi cool que ça, là. Mais c'est un film ce soir en plein air. T'as eu des billets pour les fleurs tueuses de l'espace? Hein? T'en as combien? Deux! J'imagine que tu vas y aller avec Rose vu qu'elle t'a donné un coup de main. Tu es fou, je veux pas voir des fleurs sur du monde, moi. Non, vous irez ensemble. Pour vrai? Ben, pensez-vous être capable de passer toute une soirée ensemble sans vous chicaner? Ben, on n'est pas obligé de s'asseoir ensemble. Samuel, en juin. Non, OK. Je n'ai rien. Bon, ben va te laver mon petit cochon qu'on saute et qu'on parte, là.